Bienvenue sur ma chaîne, je vous retrouve avec plaisir pour vous faire un petit haul Noz parce que j'y étais hier et j'ai fait 2-3 achats, donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. Alors, je vais déjà commencer par 2 rouleaux de paquets cadeaux que j'ai trouvé. C'était 59 centimes le paquet cadeau. Pardon. Alors j'en ai pris un comme ça, j'ai trouvé que ça faisait quand même voilà, Noël, mais ça changeait de ce qu'on peut trouver avec les sapins, voilà. C'est juste dans les tons. Et un autre que j'ai trouvé aussi super joli, dans les tons noir et blanc, qui fait un peu plus graphique avec des papillons et des petits motifs, des petites fleurs. Voilà, j'ai trouvé ça assez sympa. Donc comme ça change un petit peu. Et en plus, surtout, ils étaient pas chers. Pardon. Ensuite, j'ai trouvé, alors, vous savez qu'en général, quand je fais mes courses, je ne montre jamais si je prends la nourriture ou quoi que ce soit. Mais bon, là, j'ai voulu essayer parce que je vois beaucoup cette marque, j'en entends beaucoup parler. Donc, j'ai voulu essayer ceci. Donc, c'est le thé Arizona. Voilà, c'était 99 centimes. C'est carrément une grosse boîte. Et c'est pas la première fois que je le vois là-bas. J'hésitais. Et puis, voilà, ben, je me suis dit, tiens, ben, je vais essayer pour goûter, voir ce que ça donne. Comme j'aime beaucoup le thé, c'est vrai que ça me tentait bien. Et là, bon, ben, le prix, hein, ça valait le coup. J'ai aussi pris une boîte de sachets de bouillon comme ceci. Voilà. Ensuite, je me suis pris un livre. Alors, j'ai commencé à le lire. J'ai trouvé super, super. C'est un livre de poche. Je l'ai payé 2,99 €. C'est voilà, c'est ça. Ça s'appelle Métamorphose, donc c'est un peu, ça pourrait être un peu style, comment dire, Seigneur des Anneaux, voilà, un peu dans ce style-là. C'est assez sympa, voilà, je l'ai commencé, franchement, il a l'air vraiment, vraiment pas mal. Je sais qu'il y en a 2 autres avant, mais je sais pas. Là, c'est marqué troisième volume. Donc, je me suis dit, mince, je ne vais rien comprendre parce que, en fait, j'ai pas fait gaffe, c'est pas précisé dessus. Tome 1, 2 ou 3. Et en fin de compte, non, pas du tout. Il n'y a aucun souci. Voilà, c'est comme si, en fait, il ne faisait pas partie d'une série. J'ai trouvé les mots. Ensuite, je me suis pris des piles, donc un lot de piles comme ceci, parce qu'en fait j'en ai plein, mais c'est la taille dessous les plus fines, donc celle-ci c'est vraiment les moyennes. Pour que j'ai payé ça, je sais plus trop. J'ai payé ça, non, ça c'est pas bon. Ah non, les piles. Mais c'est pas marqué. Ah non, ils sont même pas marqués. Ah bah ça, c'est la meilleure. Ils sont pas marqués. Bon, pas écouter, hein. Bref, tant pis. Et puis le paquet cadeau, en fait, c'était 49 centimes, pas 59 centimes. J'ai aussi trouvé des petites cartes postales très sympas. Donc j'en ai pris, alors j'en avais pris 3 dans ce style-là, mais il y en a une qu'il fallait que j'envoie, donc je l'ai déjà fait. Voilà, j'ai trouvé super sympa. Celle-ci, c'est pour les anniversaires. Voilà, j'ai trouvé trop mignon. Comme là, ça va être l'anniversaire de mon neveu. Et j'ai trouvé l'autre, c'est un petit coucou. Donc, c'est marqué à chaque fois, voilà, correspondance ou anniversaire ou autre. Voilà, comment elles sont. Très mignonnes. 75 centimes. Et j'en ai pris une autre aussi spéciale Noël. J'ai trouvé marrant. C'est une carte puzzle en fait que j'ai, bah aussi 75 centimes, donc qui se présente comme ceci. Vous avez l'enveloppe avec et derrière vous avez un petit carnet. Voilà.
J'ai trouvé ça original, donc je me suis dit, bah tiens, pour changer, c'est sympa, parce que c'est vraiment le puzzle. Ça, j'avais jamais vu. Ça change de l'ordinaire. Dites-moi en commentaire si j'avais déjà vu ce style-là. Il y avait ça, puis il y avait un Père Noël, mais voilà, le bonhomme de neige, je l'ai trouvé vraiment super mignon, super sympa. Ça va me faire casser. Ça va me faire tomber. J'ai pris un petit carnet. Spécial Noël, enfin Happy Holidays, c'est marqué, voilà, comme ceci, 75 centimes. J'ai trouvé les motifs vraiment, vraiment très, très sympa. Voilà, vous avez, je vais essayer de faire ça bien. Voilà, les petits cadeaux, voilà. Les étoiles, c'est qu'il y a du noir et blanc, puis il y a un petit peu de couleur aussi, comme celle-ci, la première. Voilà, je les trouvais vraiment super mignonnes. Je trouvais que ça changeait un petit peu des modèles qu'on puisse avoir. Parce qu'après, c'est vrai qu'en truc de pour déco, comme ça, scrap, j'ai pas trouvé grand-chose. Par contre, il y avait énormément de tout ce qui était déco de Noël. Énormément, et beaucoup de jouets aussi, beaucoup, beaucoup, beaucoup de jouets. En autre truc pour Noël, j'ai pris ceci. Donc ça se présente comme ceci de ce côté. De l'autre côté, voilà. Donc il y a marqué sur la Merry Christmas. Alors, ça c'était avec une réduction de 60 centimes. 60 centimes. 60%. Sachant que le prix de départ était normalement. Je l'ai payé 1,19€ au lieu de presque, enfin de 3€, voilà. Donc j'aime bien ce style de papier, j'en avais déjà pris pour faire les décos, c'est sympa, c'est vraiment pas mal. Ils disent que c'est, comment ils appellent ça, du papier de soie, voilà, je vais chercher le nom. Voilà, pour faire mes petites cartes de Noël, je trouve ça super adorable. Et pour finir, bah, j'ai trouvé un petit cadeau que j'ai pris pour ma nièce. Donc, c'est une autre toilette Disney, c'est celle-ci, c'est celle de... c'est qui ça? C'est Réponse, la princesse Réponse. 2,99€, et je l'ai vu chez Tati, je l'avais vu chez Tati, mais elle est 1€ de plus. Donc voilà, j'ai fait, comme j'ai gagné 1€, donc ça sera voilà, son petit cadeau pour Noël. Je suis passée aussi vite fait chez Tati. Je vais profiter parce que j'ai pas pris grand chose. Hein. J'ai vraiment juste pris deux produits. Donc j'ai repris ma base coat de chez HD Modélite que j'aime beaucoup. Et j'ai également pris, parce que pour l'anniversaire de mon neveu, je ne savais pas trop quoi lui prendre. Et il adore le thé. Donc je me suis dit, tiens, je vais lui faire un petit montage, un petit paquet. Donc je lui ai acheté de la tisane parce qu'il a une tisane qu'il adore. Et je lui ai pris cette petite tasse que j'ai trouvée super mignonne et que j'ai dû payer 1€, je ne sais plus, 1,10€, je crois, quelque chose comme ça. J'ai vraiment pas payé cher. Alors, je vais vous dire ça. Alors, 1,99€. Donc, ça va. Tout en espérant que il la fasse pas tomber dès qu'il va la recevoir. D'ailleurs, j'en ai profité parce que j'ai vu qu'il y avait. Alors, je ne sais pas s'ils l'ont dans tout, chez tous les tatis. Je verrai dans celui à côté de chez moi, qui est sur Bayonne, puisque là, j'étais sur Mont-de-Marsan. Ils ont fait toute une. Au rayon maquillage, il y a vraiment tout un présentoir des produits de la marque I Love Makeup. C'est super bien présenté, donc vous avez eh ben, tous les blushs, bronzers, highlights en forme de cœur. Vous avez eh ben, les palettes chocolat, la rose, la blanche, la marron foncé, la plus claire, vous avez toutes ces palettes-là. Vous avez les lip lava également. Bon, là, il n'y en avait que 4 ou 5 couleurs, parce que là, il y a une nouvelle collection qui est sortie. Et ce ne sont que des teintes dans les tons chocolat, donc dans les tons marron. Voilà, c'est tout un dégradé de tons marron. Et ils avaient aussi toute une gamme de rouge à lèvres. Et ils avaient également deux nouvelles palettes.
super jolies, qui sont au prix de 8,90 € il me semble. Elles sont marquées dessus selfie, et sur la boîte il y a marqué ne me prenez pas en photo. Elles ont un effet un peu holographique. Et il y en a deux sortes, donc les tons changent. Et il me semble que, puisqu'il n'y avait pas de présentoir par contre, enfin de palette de démonstration, mais à première vue, je pense que les fards doivent être des fards un peu métalliques. Donc c'est des fards qui doivent être super sympas pour cette période-là. De toute façon, j'ai pris en photo, j'ai posté sur Instagram pour vous montrer un petit peu ce que je me suis dit, si ça peut intéresser certaines personnes, parce qu'en fait, même si elles sont un tout petit peu plus chères que sur le site où on peut Maquilalia par exemple, bah, étant donné qu'on fait quand même l'économie des frais de port, bah, en faisant le calcul, ça revient quand même moins cher puisqu'il n'y a pas les frais de port. Donc voilà. Donc si vous avez la chance d'avoir un tatis et qu'il y a la marque, vous pouvez aller voir s'ils ont fait les présentoirs avec vraiment toute la gamme. C'est vraiment super. Et puis ces deux petites palettes, elles sont vraiment très très jolies. Donc voilà, je vais vous montrer de toute façon en photo pour finir la vidéo. Sinon, bah, j'espère que ce petit haul vous aura plu. Moi, je vous dis à bientôt et en attendant, prenez soin de vous.